As we've gathered here together, comme nous rassemblons ici ensemble, in memory of our dear father, en mémoire de notre très cher père, Reverend Jacques Kazadi Lukasa. Le Reverend Jacques Kazadi Lukasa. He was born in February the 7th, 1956. Il était né au mois de février, le 7 février 1956. And he was promoted to glory May 25th, 2024. Et il est rentré dans la gloire de l'Éternel au mois de mai, le 25 mai 2024. Yeah. I'd like to welcome everyone here to our memorial service. J'aimerais souhaiter la bienvenue à toute personne ici à notre service de commémoration. Right here at the North Deering Meeting House. Ici à notre North Deering maison de rencontre. Yeah. And I'm Pastor Michael Glidden. Il est Pasteur Michael Glidden. I'd like to begin with a word of prayer. J'aimerais commencer avec un mot de prière. Dying, Christ destroyed our death. Mourant, le Christ a détruit notre mort. Rising, Christ restored our life. Ressuscitant, le Christ a restauré notre vie. Jesus will come again in glory. Jésus-Christ va revenir encore en gloire. As in baptism, comme dans le baptême, Reverend Lukasa, le Reverend Lukasa, he put on Christ. Il a mis le Christ. Now our brother, et maintenant notre frère, he is clothed with glory. Il est près de la gloire. We are God's children. Nous sommes les enfants de Dieu. What we shall be has not yet been revealed. Sorry, can you say that again? What we will be has not been revealed. Et ce que nous serons n'a pas encore été révélé. When Jesus comes, quand Jésus-Christ reviendra, we're going to be exactly like him. Nous serons exactement comme lui. We're going to see Jesus, nous verrons Jésus, as he is, comme il est. Those who have hope, ceux qui ont la foi, purify themselves. Se feront purifier. Jesus is pure. Jésus est pur. I have some scriptures here I'd like to share. Et j'ai certaines écritures ici que j'aimerais partager. The Lord said, le Seigneur a dit, I am the resurrection, shall they live.
ils continueront de vivre. Whoever lives and believes, toute personne qui vit et qui croit, in Jesus, en Jésus, will never die. Ne mourra jamais. Jesus says, Jésus dit, I am the Alpha and Omega. Je suis le Alpha et l'Omega. Two. Alors nous vivrons aussi. Your brother here, votre frère ici, Reverend Lukasa, le Reverend Lukasa, is alive. Il est vivant. He's living now. Il est vivant en ce moment. We're here to celebrate. Et nous sommes ici pour la célébration. We remember the memories. Pour se rappeler de tous les souvenirs. We testify to our faith. Pour témoigner notre foi. We have to acknowledge. Nous devons reconnaître. Our human losses. La perte humaine. God gives us peace. Dieu nous donne la paix. When we're in pain, quand nous sommes en souffrance, God brings comfort. Le Seigneur ramène le réconfort. In our sorrow, et même, King David has the most popular psalm. Le roi David a le plus les psaumes le plus populaire. Psalm 23. Psaume 23. The Lord is my shepherd. Le Seigneur est mon protecteur. I shall not want. He makes me lie down. He goodness and mercy. Le bienfait et le pardon. Will follow me. Vont me suivre. All the days of my life. Pendant tout mon séjour. Here's some good news. Et voici une bonne nouvelle. This is the gospel. Et ça c'est le gospel. I will live. Et je vais vivre. In the house of the Lord. Dans la maison du Seigneur. Forever. Pour toujours. Jesus is preparing a place for us. Jésus est en train de préparer une place pour nous. He has a home for us. Il a une place, il a une maison pour nous. Jesus is about relationships. Jésus est à propos de relations. Imagine how big of a house. Imaginez combien grande la maison. Yeah.
Nous savons que c'est un moment très très difficile. We know that it is a very difficult moment. Le révérend Jacques Kazadi. The Reverend Jacques Kazadi. Là au pays, il y a un grand deuil qui se passe là-bas. Back home in Congo, there is a ceremony going on. C'est quelqu'un qui a servi le Seigneur. It is someone that has served the Lord. C'est ainsi que depuis sa jeunesse, in that way, since his young age, et il s'est donné le nom de son papa, c'est Lukusa Ndomba. His father's name is Lukusa Ndomba. Et sa maman, c'est Marie Kamesa. And his mom's name is Mary Kamesa. Et ils étaient nés dans leur famille au nombre de 12. He is born in a family of 12. Et lui était huitième de la famille. And he's number 8. Alors c'est ainsi que quand il a commencé à servir le Seigneur. So in that way, when he started serving the Lord, dans la communauté CPK. In the community of CPK. Et il a commencé par le service d'un ancien dans cette communauté. He had started as an elder in that community. Jusqu'à ce que son ministère pastoral a été reconnu. Until when his pastoral calling has been recognized. C'est ainsi qu'il a circulé dans presque toutes les villes de Bandundu en étant comme pasteur. From his work as a pastor, he had to go all over the town of Bandundu and the surrounding cities. C'est ainsi qu'il était pasteur responsable dans les CPK en Kolé. And he was the responsible pastor of CPK in Ankole. Et après là, il était aussi mité comme pasteur aussi à CPK Lingomo. And from there, he was sent to be a pastor. Où nous le plairons. And today, we are praying for him. Il était pasteur responsable à CPK à Bankana. In his late days, he was a pastor at the CPK of Bankana. Et le papa en question, il était aussi marié. This father was also married. Alors nous avons notre bien-aimé Amos Kazadi qui est avec nous ici. And we have our lovely brother Amos Kazadi who is here with us. Et c'est quelqu'un qui était vraiment en intimité avec son papa. It is someone that had a very intimate relationship with his father. Et ils avaient beaucoup de projets avec le papa. They had a lot of projects. Et en tout cas, mais je pense que cette séparation, c'est beaucoup de douleur dans son cœur. But I know that this separation is a lot of pain. C'est un que je vais lire en leur place. That I am going to read on their behalf. Mots de circonstance pour les enfants. A word of circumstance from the kid. Bonjour, chers tous. Good morning, hello everyone. Grande joie de me tenir devant vous et vous partager nos précieux souvenirs de notre tendre père. It is a joy to stand in front of you and share with you all the good memories of our father. Papa, tu as été pour nous un modèle par les qualités après. Father, you have been a very good model to us. On des qualités sur après. Following the by the following qualities. Humble. Very humble. Social. Very social. Éducateur. An educator. Rassembleur. Someone that brought people together.
Un père qui avait un doux et qui avait compassion des âmes à titre d'un pasteur. A father that was tender and had us. La plaque funéraire mobilisée pour rendre hommage à notre tendre père. And this funeral that has been put together to commemorate our dear father. Le défunt Kazadi Jacques Lukusa est mort le 25 mai 2024 suite à une courte maladie. Ainsi que toutes ces questions s'adressaient à l'apôtre Paul. In that way, all the questions were addressed to Apostle Paul. C'est ainsi que l'apôtre Paul répondra par ses écritures de 1 Corinthiens chapitre 15. In that way, that Paul has responded through 1 Corinthians. À partir de verset 51 jusqu'à 58. From verse 51 to 58. Nous allons lire lentement pour que notre bien-aimé puisse interpréter. And us, the living. Nous serons changés. We will be changed. Car il faut que ces corps corruptibles. Because he aimait les autres. He had shown me how to love others. Il était un papa extraordinaire pour nous. He was a very extraordinary father to us. Si vous me voyez aujourd'hui. If you see me today. Grâce à mon papa là. It is because of my dad. Je n'étais pas seulement son enfant, mais j'étais comme un ami et un conseiller. I was not only like his son, but I also was like his friend and counselor. À chaque fois, même s'il y a un problème entre et maman, even every time that there was an issue going on, j'étais là pour se faire se réunir et de donner des conseils tant qu'un enfant. I always was there to be there to unite people and give advice as a their child. M'a montré comment respecter les adultes. He has shown me how to respect my elders. M'a dit ne faut jamais oublier la voix du Christ. He also told me to never forget the way of God, the way of Christ. Je suis fier pour lui, pour tout ce qu'il a fait. I am very proud for him. I'm very proud for him for all the things that he has accomplished. Je sais qu'il n'a pas semé dans les déserts. I know that he hasn't planted his seed in the desert. Les fleurs qu'il a mis. All the seed that he planted. Ça va encore reproduire. It will reproduce. Et il y aura toujours des témoignages et son nom ça restera toujours dans nos cœurs. There will always be fruits that will reflect his name and his name will remain in our heart. Que son âme repose en paix. May his soul rest in peace. Notre papa Kazadi Lukusa. Our father Kazadi Lukusa. C'était papa. It was a father. Merci. Thank you very much. We're going to have notre Père. Our God. Tu es amour, Père. You are love. Il t'a plu de rappeler ton serviteur auprès de toi. It has pleased you to call back your servant. Nous savons qu'il est maintenant sur une bonne place. We know that he is in a good place. Il t'a servi toute sa vie, Seigneur. He has served you all of his life. Mais maintenant, tu lui as donné l'occasion de s'approcher de toi encore, de te voir. You now have given him the opportunity to get closer to you. Nous te rendons les actions de grâce pour tout cela. We glorify your name for that. Et nous te recommandons la famille qui est restée, Seigneur Jésus. And Lord, we also put pense à la veuve et aux enfants. Think of the mother as well as the kid. Parce que souvent chez nous en Afrique, because in our African culture, après la mort de l'époux, after the death of the father, à cause des difficultés, parfois la veuve ne subsiste pas longtemps. A lot of difficulties usually come up and usually things. Mais notre prière ce soir est que tu préserves cette veuve, tu la gardes, Seigneur. Please
watch over the man. Tu la protèges contre toutes les intempéries possibles, Seigneur Dieu de gloire. Protect her against all. Tu la donnes, Seigneur, l'espérance encore de vivre. Give her a long life to live. D'encadrer les enfants qui sont restés avec elle. So that she can continue to educate those kids. Nous savons, Seigneur, les douleurs que la veuve et les enfants est difficile à ce que les conseils d'un homme le terminent. Cher Saint-Esprit, dear Holy Spirit, toi qui es l'ami fidèle, you who are the good, faithful friend, cher Saint-Esprit, dear Holy Spirit, toi qui es le bon consolateur, touche le cœur de sa femme, oh Dieu. Touch the heart of all of Amos's kids. Console-les, donne-les encore l'espérance et l'espoir de vivre. Please comfort them and give them hope. Accompagne le Seigneur dans cette démarche qu'il continuera à marcher maintenant comme orphelin de père. Continue to be with them in this path that they are following you as an orphan. La Bible déclare que tu es le père des orphelins. Éloigne toutes les maladies loin des Seigneur. Please keep away all kind of diseases from. Donne-les encore la force de vivre et de te servir encore pour le temps qu'il reste sur cette terre. Give them the strength and the and the willingness to serve you for the rest of their time here on earth. Nous te disons encore merci, Seigneur. We tell you again, thank you. Parce que nous n'avons pas de questions à te poser. Because we do not have questions. Car la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Because the Bible says everything goes well for those that believe in the. Comme cette famille t'aime, Seigneur. Just like this family loves you. Et occupe-toi aussi des Pères éternels. Please continue to take care of them. Maintenant que nous allons terminer notre cérémonie de culte ce soir. As we are closing our service, nous te recommandons la suite des temps entre tes mains. We recommend everything in your hands. Il y a quelque chose qui était apprêté, Seigneur, pour les convier. There is something that was prepared after the gathering. Nous bénissons tout cela, Seigneur, et les sources de provenance. We bless that and the source of provenance. Ainsi que les mains qui ont contribué à son finissage. Que nous puissions manger et boire avec action de grâce. And so that we can eat and celebrate with. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Vai meter esse audio ali, onde estão cantando. Vai lá. Como na na esilite, na esale no ato.
Papa Amos, en tout cas, mes condoléances. C'est là qu'on a consigné à Okaka, Zala Makasi, Liweza Nzela Nabisonyonso, témoignage qui toque autour de Koyoka et Papa. En tout cas, Kakandenga, la Kisaron Zela Nzambe, Koti Kangote, na éducation malamwa pesayo. Merci. Papa Amos, toye, biso bandego non na ba mama na yo, ko conseille yo na likambo yo utiko koya. Courage, papa, den utiko loba, eza. Je suis un homme qui a été un homme qui a été courage, en tout cas, Zala Makasi, Osunga Liboto et Tikali, Yamoto Yelaki, Esika Matang et Zali, il faut Bokende, Bokonsole Vaninga. Merci. Mes sincères condoléances à notre frère Amos Kazali, de ma famille. Au nom de la famille Tambo, en tout cas, nous te soutenons pendant ce moment difficile. Que Dieu te garde, qu'il garde ta famille, qu'il garde la famille au Congo et ici. Que Dieu vous protège, en tout cas. Nous allons continuer à prier pour vous, en tout cas. Amen. Merci beaucoup. Oui, nous sommes là pour accompagner notre bien-aimé Amos Kazali. Comme la Bible nous dit que pleurer avec ceux qui pleurent. Lui, il est en train de pleurer son cher papa qu'il aime beaucoup. Qu'il aimait beaucoup, donc nous ne pouvons pas le laisser seul, c'est pourquoi nous sommes là et nous l'encourageons afin qu'il puisse avoir de l'espérance et de l'espoir que nous tous nous sommes le pèlerin. Le temps de papa est arrivé, il a fait son travail, il a servi le Seigneur, il a fait son travail et il est arrivé à son arrêt. Et c'est ainsi que la vie ne s'arrête pas, nous devons continuer. C'est pourquoi on est là pour encourager la famille Amos Kazali et sa femme et les enfants. Merci. Oui, nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes venus pleurer avec la famille de notre frère Amos Kazali qui a perdu son papa. Nous l'encourageons. Nous disons que dans ce monde, chacun a son arrêt. Papa est arrivé à son arrêt. Il a fait son travail. Il a fini sa course. C'est à nous maintenant qui sommes restés. De fixer nos regards vers le Seigneur parce que papa a fait son travail, il est parti, que la gloire soit rendue à notre Dieu parce qu'il était son serviteur, il a fini sa course. Que Dieu puisse consoler toute la famille de notre frère Kazali. Amen. Solo que si langala, y posona papá na na y tu mamá na nuya. Tobela kaye mopanga netumba Tobela kumizawa Abeta satana kao Mobilisa maladi noso Babokono ya ndenge na ndenge Sama tuzo kumizawa Abikisa bamingi na sita Akaza Yesu elombe Saniteo, isikanga na kweyaki Loboko na yoe, ne telemi
na moni bekelo moto yangu ya mingi na songa mwasima awanga na ki Yesu na bole mbuna ngaye otalisa bokasi ayo likolo na nga kolonga yo solo makambo ebalola bangu na mitu ngolu kalkile ya nzambe ngolu makambo ya lola Boye basantu to ganga Ezwa na ipembeni na yo Kopena na mosali na yo Yusu yanga ezangolu Ye ngolu we Kutikala ye mbangolu Kutikela kinga tango he Asoso la malubala Nous avons cette douleur de partager avec cette famille, notre bien-aimé Amos. Nous sommes vraiment de cœur avec tout le monde parce que perdre un père, c'est comme si on est en train de perdre un repère. Vraiment, le père pour nous, c'est comme un repère. C'est lui qui montre les chemins, mais c'est le chemin de tout le monde. Il y a un Père qui est au ciel, qui prend soin de tous les pères. Et même si il a dit, c'est lui qui prend soin des orphelins. Vraiment, beaucoup de courage à Mos et toute la famille. Nous croyons que Dieu va vous consoler. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Sincèrement, nous allons rendre grâce à Nzambe pour le départ de notre papa Kazadi. C'est un serviteur de Dieu qui a servi Dieu toute sa vie dans une grande communauté que nous connaissons bien. Et Amos, c'est l'un des frères qu'on a rencontré dès nos premiers pas dans ce pays. Et tout le temps, Amos a été disponible sur le plan social pour nous, ses frères. Et c'était un moment dit, on a jugé bon de venir passer ce moment ensemble avec lui. Et que Dieu le console et fortifie toute sa famille. Merci. Ya, tu es Koulanda frère Abisso Amos. Koufela qui papa, c'est vraiment c'est choquant. Et le ressenti c'est Abisso Pena, Mingi Pena, Angoy, 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 Angoy. Et ça, on peut s'aimer moi courage. En tout cas, courage de mon abisso Amos. Et ça, Liwa, et ça, Zéla, abisso Nyoso. En tout cas, Kimia, et ça, na motema, et à Bandego Nyoso, bah, on va tirer la guissasa, na abisso Nyoso. Merci. Et là, il faut s'en faire, sinon, on s'en merci. Nam kola lelo. Pena mukolo mukolo bokilo na ngai atire mokili oyo po ezaki facilité pona biso antoka mama to mitumisa mai makasi ngana mbali na ngai sedu mbali na ngai azmando kokate azo kokate a rezeni papa na ye ata mai oyo ko chocolaté nyoso pona ezaki mabando oliate antoka pa toza na shock moko ya osaganate mais na ebike Nzamba kopesa makasi. Nzamba kopesa mobali na makasi. Nyonso toti akaka na maboko ya Nzambe. Po eza facilité. Yango tokumisika na Nzambe, ye moko apesa, ye moko azwi. Tana elo mutu koloba te. Yango elo mutu nasenga mobali na ngai. Na osenga ye azana peseka ba courage ebele.
Liwa est un zéla mutunyoso. Liwa est un facilité. Mais est un zéla mutunyoso. Nous avons l'autre au salaté. Nous avons même monté. Il y a un bébé qui papa au coup. Il y a un homme qui a fait ses camacas. Il faut continuer la vie. Il y a un homme qui a fait ses mutunyoso pour soutenir Bisso. Batunyoso on va contribuer. Zambe a pambola ba, on va contribuer na kolamba, na mbongo, na nini na assistance. Zambe a pambola bango. O bazangi Zambe a pesa bango. Yeah, na zai loko lo bate. Merci. Il y a eu le temps de passer de visiter pendant cette période catastrophique que vous avez perdu notre papa. Je remercie tout le monde. Je sais que ici, c'est difficile pour avoir le temps. Mais vous avez décidé autant pour venir pleurer avec nous. Je vous remercie pour vos sacrifices, pour vos messages que vous avez faits pour nous. Vraiment, je suis avec vous. Merci, que Dieu vous bénisse.